Salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans The Witcher 3 Wild Hunt, habillé n'importe comment et coiffé comme ça quoi. J'espère que vous allez bien. Excuse mon bon seigneur. Un peu de tenue, sale pouilleux. Sale pouilleux. La bourse, au voleur. Garde. J'ai pas fait exprès. Comment vont les affaires? D'accord. Parlez des mendiants. Encore en retard pour le souper. Que puis-je faire pour vous? Faut que je t'ai vu, toi. Elle va mourir de faim. Très bien, tu auras ta pièce. Mais dis-moi d'abord où trouver le bosquet putride. Je sais rien. Gardez votre pièce et foutez-moi la paix. Allez, du vent. Ok, à droite. La santé, c'est tout ce que je demande. Il a senti quelque chose. Prenons un peu de champ. Voilà qui pourrait s'avérer. Donc on cherche le bosquet des mendiants, alors je sais plus exactement pourquoi. Pour avoir des infos, je crois, sur Triss. De toute façon, on sait pas où elle est. On est allé à sa maison, mais elle est pas là. Cassez-vous les gosses. Pitié. Les enfants, quoi. Déjà dans la vie, bon voilà. Alors dans les jeux vidéo, non merci. Heureusement que dans Skyrim, on peut avec des mods, on peut les tuer. Bon, ça peut softlock le jeu, mais tant pis. Putain. Ça, c'est loin, hein. Il me fait tourner en rond ou quoi? Que cherchez-vous, tourmenteur? Ok.
passe mon chemin, hein, je fais genre. Le monde est vénal. Et je suis. Bonjour. Y'a Ezio. Individu louche, sans blague. On vous dit, ouais, la capuche dans Assassin's Creed, c'est pour être discret. Non. Non, en plein jour, non. C'est nul à chier. Ite, qu'est-ce que tu veux ? Regarde-moi. Que vois-tu ? Des yeux jaunes, deux épées, un tueur mutant, je dirais. On dit que cet endroit est un lieu de réunion pour les erreurs de la nature. On dit vrai. Avec mot de passe, accès gratuit. Sans, il y a une taxe d'entretien du bosquet. Je n'ai pas de mot de passe. Alors faut payer. Je ne paierai pas. Laisse-moi entrer. Entendu. Oui, je suis un Jedi. Bon, j'espère juste que personne va m'attaquer, je veux pas tuer des mecs innocents, enfin des mecs innocents. Des voleurs innocents. Merci bien. Un vrai miracle que vous avez fait là. Je m'en vaudrais ça. Tâche de convaincre les âmes du conseil. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. En voilà un joli collier. Alors, comment ça se passe ? Bien. Les gens affluent toujours plus nombreux dans... Il est grand temps qu'on clarifie un truc, magicienne. Oui, grand temps. Moi et mes gars, on s'en sort très bien sans l'aide des mages. Mais vous autres, sans nous, vous finirez cuit à point par la garde du temple. Mais qui voilà ? Gérald ? Salut, Triss. Vous vous connaissez, on dirait. Vous vous connaissez bien, mais... J'étais curieux de voir si tu allais me trouver, sorceleur. Tes espions t'ont rapporté que je cherchais le bosquet putride. Mon crâne servirait de maison aux poissons du fleuve si je ne faisais pas gaffe à ce qui se passe. Et épargne-moi ton bosquet putride. Sale nom pour notre petit nid, pas vrai ? Et comment appelles-tu cet endroit ? Disons, les jardins de la liberté. Pour un type qui fait payer un tribut aux mendiants et aux voleurs, je trouve ça bien romantique. C'est un impôt, pas un tribut. Et ce sont mes associés, pas de vulgaires voleurs. Vois-tu, sorceleur, j'ai mes plans. Et je vois grand, histoire de remodeler cette ville des pieds à la tête. Tu as songé à abriguer un poste au conseil municipal ? Le conseil est une troupe de marionnettes dont le hiérarque du feu éternel tire les ficelles. Enfin, qui les tirait jusqu'à ce que Radovid et ses chasseurs de sorcières ne reprennent les rênes. Le pouvoir fantoche ne m'intéresse pas. Quel visionnaire. Un jour, la prétendue cité libre de Novigrad le sera vraiment. Mais il faut d'abord se débarrasser des superstitions. Péter à tout va en affirmant l'essence divine du feu éternel. Un conte pour mioche. Visiblement non. La foule en délire à l'exécution était surtout composée d'adultes. N'importe quelle foule applaudit quand ça sent la chair calcinée. Mais un jour, les gens comprendront que le feu éternel est une laisse qui les étrangle. Ils appellent cet endroit le bosquet putride. Mais c'est tout le reste de Novigrad qui pue la charogne. Ici, c'est le dernier bastion de normalité, de bon sens. Content de voir qu'un homme comme toi a fini par rallier notre ville, car elle sera nôtre un jour, Gérald. Tu verras. Nôtre ? Au pluriel ? Ouais, à moi et à mes amis. Je te raconterai une autre fois. Pour l'instant... Je vous laisse en tête à tête. Vous semblez en avoir besoin. Gérald, j'ai beaucoup de choses à faire en ville.
Je serai très heureux de t'accompagner. Quelle est la nature de votre accord ? Il t'utilise ? Disons plutôt qu'il m'aide à survivre. Il y a 6 mois, j'aurais eu peine à croire que Triss Merigold travaille pour le compte d'un criminel de Novigrad. Il y a 6 mois, Triss Merigold a dit adieu à un être cher et a dû commencer une nouvelle vie. Tout n'a pas tourné comme je l'espérais. Viens, je vais te donner un aperçu de moi. Madame la magicienne, toujours aussi radieuse. Dommage que vous partiez. Pas de panique. Je serai bientôt de retour. Très bien. Oui, je parle peu. Hein. Là, il y a beaucoup de lore. Hein, beaucoup d'histoire. Tu es à Novigrad pour une affaire importante, j'imagine. Importante est en deçà de la réalité. Je cherche quelqu'un. Plus précisément ? Une jeune femme qui est comme une fille pour moi. Elle ? Ici ? Non, c'est impossible. C'est pourtant vrai. Des gens l'ont vue. Il y a des traces de son passage. J'espérais que tu saurais quelque chose. Tu connais bien cette ville. Aide-moi à trouver quelque chose, un indice, n'importe quoi. Je ferai mon possible, évidemment. Qui pourrait en savoir plus ? Donc oui, c'est sûr qu'il y a un petit passif avec Triss, un passif de Zizi. Elle en a bien profité d'ailleurs pendant qu'on était amnésique. Bonjour, Cloug. Vous vous êtes procuré les ingrédients pour mon encens magique ? Oui. Enfin, il y a eu un pépin. Je marchais le long du canal, en coltinant un sac plein de marchandises pour vous. Je lève les yeux et je vois 3 gardes du temple venir dans ma direction. Venez-en au fait, Cloug. Ce n'est pas le jour pour vos récits interminables. Attendez, un sac plein d'ingrédients magiques, et ces gardes qui foncent droit sur moi. Je suis pas un lâche, mais j'ai senti la sueur froide me couler jusqu'aux derches. J'avais pas le choix. J'ai lâché le sac dans l'eau, bien obligé. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai répondu que c'était un chat crevé. Eh ben, ils m'ont cru. J'en avais besoin, Cloug. J'ai un contrat à honorer. Il est au fond du canal. Heureusement, il était assez dense pour couler. C'est sûr qu'en sondant, on pourra le retrouver. Vous comptez être payé alors que je vais devoir plonger dans une eau fétide et glacée pour récupérer le sac ? Allez. Un petit bain, quoi. Il faut parfois savoir se mouiller pour une bonne cause. Pour une cause ? Et pour quelqu'un alors ? Il en va de même pour les gens. Dans ce cas, tu ne vois pas d'objection à plonger à ma place pour récupérer ce sac. Bien joué, je m'incline. Halt ! Vous entendez ? On est attendu. Il a fallu que je lui travaille les talons pour qu'il craque. Et si ? À chacun son point sensible. Une fois je cuisine un mage, la douleur n'y fait rien. Je lui arrache les ongles. Je lui broie les roustons, que dalle. Mais il est chatouilleux comme tout. Je lui colle un scarabée sur le ventre. Je couvre avec un bol et le tour est joué. On a eu de la chance ce coup-ci, mais passez plutôt par les égouts. Il y a une trappe par terre. Faites attention à vous, Cloug. Eh ben ok. Ouais, hein, Geralt, il passe son temps à se faire manipuler hein, par les sorcières. Que ce soit Triss, Yennefer, les autres. Malheureusement... Un noyeur. Un PV, quoi. Il doit y avoir un mécanisme dissimulé dans ce lieu.
Ravenbreak. Ça signifiait quelque chose autrefois. C'est bien pour ça que de nombreux mages sont venus ici après le massacre de l'île. Ils pensaient échapper au bourreau de Radovid. Au lieu de quoi, ils se sont jetés dans la gueule. Mais Novigrad est assise sur une montagne d'or. Et pour gagner une guerre, il faut trois choix. De l'or, et encore de l'or. Ah. C'est pour ça qu'ils exterminent les mages et confisquent leurs biens. Ensuite, ils s'en prendront aux non-humains. Les elfes vivent dans des taudis, mais les nains ont la main mise sur les finances. Officiellement, Novigrad reste une ville neutre. Cela dit, je doute fort que les gens y croient. D'après Cloug, le colis doit être au fond dans ces parages. Sauf erreur de ce pauvre bougre. Depuis qu'il s'est fait cuisiner par Meng, il perd un peu la tête. Sans oublier son délire de persécution. Le courant a dû charrier le colis en aval. Je vais nager vers le port. Tu viens ? Une autre fois, peut-être. Tu ne sais pas ce que tu rates. L'eau est gorgée d'huile caustique. Ça devrait faire des merveilles sur mon pain. Allez ! Allez hop, on y va. Alors. On cherche un sac ou une boîte. Un coffre. Je suis encombré. Ah oui, ça on n'avait pas vu encore. Mais il y a de l'encombrement dans le jeu. Hein. Spoiler. C'est d'ailleurs bien chiant. C'est-à-dire que là, on ne peut plus courir. C'est comme dans Skyrim. C'est que t'es encombré, et bah tu vas galérer. Pour moi, c'est une idée de merde. Mais... Je me retrouve obligé de jeter des trucs, je vais peut-être jeter une épée, les épées c'est lourd. C'est pas le bon bouton. Parce qu'en ce moment je joue à Ghost Recon, alors je commence à avoir des problèmes de gestion de tout ça quoi. Deux kilos. Oh les haches c'est lourd. Ah, plutôt bah donc plutôt jeter ça quoi. Elle a l'air stylée cette épée. Épée de naine. Oh. Oh, elle est plutôt jolie, ouais. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. C'est la dernière fois. Puis je vais laisser tomber cette hache. C'est bon. Allez, c'est même pas une question de poids, c'est une question de nombre d'objets dans l'inventaire, parce que je suis à 88, sur 90. Tu as trouvé le colis ou tu t'es trempé pour des prunes ? Rien de tel qu'un bon bain dans un canal immonde. J'ai déniché quelques poissons, une ancre rouillée, la carcasse d'une barque et... Oh, ça. Ma livraison. J'espère que le contenu n'a pas trop souffert. Triste, tu te brûles. Tu es adorable. Mais pourquoi tu prends pas une torche? Tout le monde voit que t'es une sorcière, là. Tu sens une magicienne. Ton élément. Tu te rappelles la façon dont je manie mes éléments? 6 mois, ce n'est pas si long, quand même. Et je suis loin d'être séoul. Mais l'amnésie et toi, c'est une longue histoire. J'ai retrouvé le plein usage de ma mémoire. Tant mieux. Comme ça, tu te laisseras moins mener par le bout du nez. Dit-elle. Quelqu'un m'a mené par le bout du nez ? Moi, par exemple. C'est vrai. Mais je n'ai jamais insinué. Non, c'était plus le bout de la bite, hein, pour le coup. Mais bon. Dépêchons-nous. Salutations, magicienne. Bonjour, Brandon.
Vous êtes accompagné, à ce que je vois. Ça pose un problème ? Non, par le feu éternel. Je suis surpris, c'est tout. À vous deux, vous réussirez deux fois plus vite. Vous avez l'air de vrais experts. Mais j'aimerais autant que vous commenciez sans tarder. Chris, toi et l'ami Brandon, vous avez convenu d'un tarif ? On s'est mis d'accord sur une bourse pleine. Brandon et associés est une affaire sérieuse. Le plus vaste grenier à blé de Novigrad. En bon marchand, vous savez comment marchent les affaires ? Bien sûr, à travail honnête, salaire honnête. La moitié d'avance, le solde à la livraison. Vous exigez beaucoup. Je suis sorceleur. J'en ai vu plus d'un dire une chose a priori et chanter une autre chanson a posteriori. Fort bien. Voici la première traite. Ouais, on va pas se laisser faire. Hein. Nous devons disséminer ces cristaux dans tout le bâtiment, près de tout ce qui semble lié au rat. En gros, c'est de la mort au rat magique. Je m'occupe de ce côté-ci. Prends l'autre. Cherche des traces de l'activité des rats. Genre des rats qui baisent, des rats qui chient. Je sais à quoi ressemblent les traces d'activité des rongeurs. Pour ce qui est des rongeurs... Gérald, on aimerait l'un et l'autre se trouver autre part. Je préférerais siéger au Conseil Royal, mais ils ont aussi mon roi. Cherche les crevasses et les déjections. Une fois l'encens en place, qu'est-ce qui va se passer ? Je lancerai un sort pour chasser les rats. Tu ne peux pas te passer de l'encens ? Je n'ai pas spécialement envie de traquer les fientes de rats. Arrête un peu de te plaindre. C'est des grosses crottes, hein. Très grosses crottes de rats. Cet endroit me paraît propice. Ce type ne me plaît pas. Brandon ? Pas moi non plus. Je bien trop gras. Là-dessus, je suis d'accord. Plus sérieusement, pourquoi n'a-t-il pas marchandé ? Il doit avoir un vrai problème de rat. Chris, c'est un négociant. Marchander, c'est toute sa vie. Si je m'inquiétais de ce genre de choses, je mourrais de faim dans cette ville. Je crois que j'ai repéré tous les trous. Parfait. Prépare-toi à un vrai feu d'artifice magique. J'active l'encens. Ensuite, nous aurons... Oui. Oui. Attendons maintenant de les voir détaler. Intéressante méthode. Je n'ai jamais eu de chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. Un lancer parfait, vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir ? Alors, que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats ? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Téméria. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons... réconciliés. J'ai jadis connu un homme qui réagissait à tout, notamment à l'adversité, en s'en moquant. Saine attitude. Il a dû vivre vieux. Un beau jour, il a perdu ses jambes lors d'une bataille. Il a déclaré que c'était aussi bien comme ça, elle ne lui ferait plus jamais mal. Je le comprends parfaitement. Je sais. Le problème, c'est qu'il se mentait. À mon sens, il n'avait guère le choix. Tu as peut-être raison. Lui seul connaît la vérité. On est toujours seul à connaître la vérité à propos de soi-même. On se confie parfois auprès d'un être cher. Même quand c'est dur à avaler ? Oui. Qui sait ? Un jour, peut-être. Dis-moi comment va Yen ? Comment sais-tu que je l'ai trouvé ? Tu n'as pas répondu à ma question. Comment va Yen ? Pas mal. Tu as une question plus précise en tête ? C'est bon, j'ai ma réponse. Thank you.
Parce qu'à la base, Triss, elle est jalouse de Yennefer. Parce que Geralt. Eh bien, que vois-je là? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler. Le boulot est fait. Geralt, ce sont des... Je sais parfaitement qui ils sont, Triss. Mes amis, tenez à ce que je les prévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Je n'avais pas le cœur à leur refuser ce service. C'est un piège, Geralt. Je sentais bien qu'il y avait anguille sous roche. On va faire comme si vos amis n'étaient jamais venus. Payez le solde et séparons-nous en bons termes. Ce n'est pas à vous de dicter les règles, mutant. Ouais, te mêle pas de ça. C'est la sorcière qu'on veut. L'ennui, c'est que nous sommes indissociables. Si vous la voulez, elle, il faut me prendre avec. Geralt. Ça peut s'arranger. Bon, trêve de bavardage. Faites ce que vous avez à faire, mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. J'ai assez entendu ce fils de pute. Je ne vous le fais pas dire. Ne les laissez pas ressortir vivants. Mais vous êtes déjà morts, les gars, en fait. Attaquez-le des deux côtés. Alors qu'il n'avait aucune intention de me payer, roulé et piégé comme une gamine. Si tu n'avais pas été là, nous devons trouver Brandon. Oh, j'ai coupé. Ah non, mais beaucoup trop d'épées là. J'aurais bien coupé les jambes. C'est la bonne du curé, quoi. Oh, t'en es une fille, comme moi. Putain, je suis désolé. Bonjour. Pitié, messire. Épargnez-moi. Ils m'ont forcé. Si j'avais refusé de collaborer, ils auraient incendié ma maison, mon entrepôt. Les chasseurs de sorcières sont impitoyables. Laissez-moi vivre. Ne vous abaissez pas au niveau de ces meurtriers. La ferme. Je devrais vous tuer, mais mort, vous n'intéresseriez que les mouettes. Vous allez donc vivre et nous payer le double, tout de suite. Très bien. Voici votre or. Dégagez. Merci, Geralt. Inutile. Content d'avoir pu rendre service. J'ai réfléchi, tu sais, à qui pourrait savoir pour Ciri. Et une idée m'est venue. Une oniromancienne réside en ville, Corinne Tilly. Très capable, paraît-il. Je n'ai guère confiance dans les capacités des rêveurs. Corinne est réputée pour être très efficace. Tu devrais essayer. Elle a accepté un travail près d'ici. Suis le canal en t'éloignant de la criée. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire... De Jonquière est un riche banquier. Tu ne viens pas avec moi? J'ai affaire de mon côté. Un autre entrepôt infesté de rats? Pas exactement, mais guère mieux. Les temps sont durs. Ce fut un plaisir de te revoir. Plaisir partagé, Geralt. Ben je sais. Tu devrais y aller avant que Corinne retourne se terrer quelque part. Et si je veux te revoir? Je vis au Lassie, près de la criée. Passe me voir quand tu voudras. Entendu. À bientôt donc. Cette tension sexuelle entre les deux. Ah oh ouais. Il y a un forgeron. On va pouvoir vendre de la merde. C'était couru. Ouais, c'était sûr. Une arme à aiguiser, à reforger. Montrez-moi ce que vous avez.
Alors, putain, des haches, vénère, hein. Alors, je te vends ça. Il n'y a pas beaucoup d'argent, par contre. Il va faire attention à ce qu'on lui vend. Bah non, on va lui vendre tout ce qu'on peut, mais... Ah oui, ça, c'est plus cher que tout le reste. Très bien. Ah, dommage. Ok. Toi, tu vends quoi, par contre? Tu vends des trucs à 1 milliard d'euros, c'est ça? 1 milliard d'euros. De l'ambre, ouais. Pélon de Novigrad. P de Bremervoord. Meltis. Ça c'est bien, 70 poids de maximum, je crois que c'est bien mieux que ce qu'on a. Je vais prendre ça, Torlund. Eri Trad. Et Meltis. Plus si je les ai déjà ou pas. Auquel cas je revendrai. Ça coûte tellement cher. Adieu. Plaisir. Hein. Donc. Jackie. Une arme aiguisée. À reforger. Montrez-moi ce que vous avez. Hop. C'est là que sont les parchemins, non? Prends mes perles. Bon, j'en ai plus, mais j'irai en refarmer. C'est pas gênant. Ah oui, c'est vachement moins bien, forcément. L'épée de l'ours, il faut le reste, il faut l'épée de l'ours et l'épée de l'ours améliorée, etc., etc. Je vais réparer mon stuff peut-être. 700 balles. Eh. J'ai réparé mes épées. Le reste, on verra. Au revoir. Adieu. C'est bon, je peux courir comme un connard. Oui donc. Ablett. Voilà, j'avais la sacoche 30. Quand même vachement mieux. Voilà, on est passé à 130 d'inventaire. On était à 90, on est à 170, à 130 pardon. Donc ça va, on a augmenté de moitié presque.
Oui, on a quasiment augmenté de moitié, c'est ça. Il nous manque 5. Vous ne faites que passer, vagabond, ou vous cherchez quelque chose ? À qui ai-je l'honneur ? Rudolf de Jonquière. De ces Jonquières-là, oui. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours : fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. Ok. Vous connaissez Corinne Touzet ? Je cherche Corinne Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. Pourquoi vous intéressez-vous à l'histoire de cette maison ? Vous êtes historien, c'est une lubie. Cette demeure m'appartient depuis peu, et je l'ai payée au prix fort. Très vite, j'ai été témoin de perturbations qui portent à croire que la maison est hantée. Quels sont les symptômes ? Oh, cela varie. Des gloussements nocturnes. La semaine passée, des meubles ont bougé au grenier. Et enfin, croyez-le ou non, j'ai trouvé des déjections humaines au salon. Ils ont chié sur le tapis, les salauds. Ce qui se passe à l'intérieur ne vous intéresse pas plus que ça ? Je suis banquier. Les maisons hantées m'effraient. Et savez-vous à quel point elles se déprécient ? En outre, Corinne a demandé à ne pas être dérangée. J'aimerais entrer. Jetez un coup d'œil. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi. Mais ces deux épées, vous êtes sorceleurs. Entrez donc, je suis bien luné. Eh ben ok, bah merci pour ta lune alors. C'est au cas où la première... Enfin merci à ta lune plutôt, du coup. Alors, bon, c'est pour voir s'il y a des fantômes. Hein. Promis. Bon là, il n'y a pas de fantômes, là non plus. Pour l'instant, je trouve pas de fantômes dans les coffres. Des gros soldats araignées, cela dit. Mais c'est pas des araignées fantômes, donc ça va. Halt. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Madame ? Est-ce que vous êtes en train de vous tripoter au grenier en faisant croire que vous rêvez ? Ce serait une super arnaque en vrai. Genre t'es embauché par des riches pour voir si leur maison est hantée et en fait tu te tripotes dans leur lit en soie et après tu dis non mais il y a les fantômes, c'est mort. Hein. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. La poupée. Le grenier. C'est super dangereux comme métier. Passons au grenier. Elle est pas du tout en train de se toucher sur le lit en plus. Elle est fait avoir. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Attendez, parce que. C'est pour être sûr qu'il n'y a pas de fantôme. Du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît. J'espère que c'est par là.
quoi, il y avait... Eh bien écoutez, il y avait une marche. Toujours pas de fantôme dans les coffres. Hein. Je dis que va être déçu. L'accès à la pièce suivante est bloqué. Bloqué mon cul. Tout ça pour une tasse. Un dessin de berceau. Un papier sur lequel un berceau était dessiné à la hâte, cela semble être l'œuvre d'un enfant. Ou de n'importe qui dessine pas très bien. Hein. Enfin, je pense que vous donnez un crayon à Macron, je pense qu'il dessine pareil le berceau. Hein. En attendant qu'on lui donne son croque... Son merde, c'est comment ça s'appelle? Son cordon bleu. Bizarre. Une poupée posée sur un berceau d'après le dessin. Je devrais essayer d'en trouver un. Mais d'abord, on vérifie qu'il n'y ait pas de, des rafioles dans un sac. Très bien. C'est bon, il y a pas, j'ai pas encore vérifié tous les fantômes. Tous les coffres à fantômes, les fameux coffres à fantômes. Après, on s'étonne qu'on soit full inventaire. Ah. Il y a un fantôme qui a fait tomber son verre de vodka. Sûrement un fantôme russe. Ah, j'ai oublié un coffre à fantômes, merde. Tant pis. Halt. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Ok, j'ai le berceau. Et là, il y a un coffre, il y a peut-être un fantôme. C'est pas un fantôme, c'est une tasse. Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, un foyer noirci. Oh, joie, une énigme. Ah, j'imagine qu'il yes. faut que je trouve un four. J'adore les énigmes. Un four à pain. Lâchez ça de grâce. Oui, lâchez ça, c'est du sang, n'en versez pas. Merde. N'en versez pas. J'ai compris, Micheline. J'ai compris, Corinne Touzet. Ok, allons ici. Je connais le jeu par cœur ou presque. Effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça, c'est amusant. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal? On n'a plus le droit de rigoler? À quoi joues-tu? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas? Très drôle, oui. L'ennui, c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Tu as de la chance. Je sais que j'ai affaire à un sélicole inoffensif. Mais les autres ne le sauront pas. Et là... Et comment tu sais que je suis un sélicole d'abord? Hein? Comment? Quand ça y ressemble et agit comme tel. Crois-moi, tu es un sélicole. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes? Je tourmente personne. Moi, j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison hantée? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a achetée. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la frousse. Personne n'aime les banquiers. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très cher, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison.
Pas question, je veux pas. Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un sélicole. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché ? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est tentée pour de bon. Tu lui dirais ça ? Et s'il te croit pas ? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic ! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Merci. Maintenant, va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Bon, d'abord, je vais défoncer ce mur. Ça te dérange pas. Des bottes d'assassin. Je vais les enfiler tout de suite. Parce que moi, j'aime les bottes. Ça n'a aucun sens. Voilà, puis c'est vrai que mes bottes dorées, là, c'est un peu bizarre. Oh, de l'ambre et un coffre. 10 balles, ou je remballe, très bien. Eh ben ok. Bah, je remonte. C'était là. Ah, les enfants qui rigolent, c'est pas le pire truc, ça. Bonjour Corinne Touzet. Qui êtes-vous ? C'est Triss Merigold qui m'envoie. Dieu. Quel cauchemar atroce. J'étais censée révéler l'histoire de cette maison, au lieu de quoi j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. C'était l'œuvre d'un sélicole qui faisait croire aux gens que la maison était hantée et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller ? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil ? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'Esturgeon Doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. À plus tard. Bah ok, bon, on se casse. Ah oh. Ces marches sont pourtant pas si hautes que ça. Gérald, t'as du mal avec les escaliers. Bon, c'est foutu, faut tout cramer. J'ai vu Mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue ? Ou est-ce le contraire ? Le bilan est mitigé. Un démon s'était emparé de Corinne. J'ai réussi à la libérer, mais la maison demeure hantée. Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison ? Oui. Effroyable, a priori. Bien qu'elle ait refusé d'en parler. Personne ne doit emménager ici. Une fortune envolée. Enfin. Je ne suis pas sur la paille pour autant. Allez, riche. En vérité. Ouais, d'accord, on s'en bat les couilles. Tout le monde s'en fout de ta vie de bourgeois. C'est promis. Je voudrais aller. Qu'est-ce que je voulais faire ? Putain, je sais plus. Je voudrais aller chez le coiffeur. C'est super important. Vous vous rendez pas compte ? Quel point c'est important d'aller chez le coiffeur ? Un coiffeur là. Genre.
Ou alors on le voit pas sur la minimap. Et ça c'est dommage. Bon, je vais juste aller prendre la quête qui est pas très loin là, sur la droite. Dans la vie, savoir prendre des risques. Ah bien sûr, les risques. Les risques. Dans les sorcières, sous la source, les chanteurs ont du talent. Rien à voir avec un égard. Du Velchès. C'est ici qu'il y avait une quête, je crois. C'est plus loin. La vengeance, c'est tout. La vermine la plus immonde, dis non. On voit la référence. Bonjour. Je vous laisse ta main. Vous avez le courage de me répéter ça en face? Bien sûr. Vous êtes un mutant, un monstre, une relique obsolète d'une époque révolue qu'on devrait brûler comme une sangsue. Combien de vies avez-vous sauvées? Combien de Brooks avez-vous tué? Combien de Léchaine? Je ne vois pas le rap. Je vous ai posé une question. Combien? Voilà qui fait réfléchir, non? Le prêcheur, c'est une grande gueule. Mais dès qu'on lui crie dessus, il parle à la queue entre les jambes. Allez, on s'en va. C'est Razin et Dumillet qui le disaient. Chez Perra qui le disait. Bon, c'est sur ces entrefaites. On va se quitter, les gens. Je vous fais des bisous. Plus tard. Et promis, on essaiera de trouver un coiffeur. Cela, c'est plus possible. C'est plus possible du tout. A plus tard.